Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en train de me préparer, là on va sortir avec les enfants. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on va faire activité peinture au bord du lac. On a nos habitudes dans un petit parc où il y a un très joli lac avec des signes et tout. On avait déjà été là-bas. Donc on va aller acheter tout ce qu'il faut, les toiles, la peinture, les tablis, on les a déjà achetés avant-hier. Je vais vous le montrer, ils sont trop mignons. Et je pense que ma belle-sœur va nous rejoindre, on va faire un petit pique-nique là-bas. Aujourd'hui, il devait faire 27 degrés, ce qui paraît, il devait faire très très chaud. Mais là, je trouve que le temps est couvert. Donc, j'ai mis un petit jogging comme ça, marron chocolat. Et en dessous, j'ai mis mon t-shirt au cas où il fait chaud, je retirerai mon haut de jogging. Là, je me suis mis confortablement parce que voilà, on va aller au parc, on va jouer, machin. Et aussi, je vais acheter tout ce qui manque pour les box du mois. Donc, on va aller acheter tout ce qui manque, la peinture, ce qui manque pour les box du mois. Et après, on va faire une petite journée très sympa. Donc, voilà. Là, j'ai attaché mes cheveux, je me suis fait une tresse plaquée parce que mes cheveux sont gras et demain c'est jour de bain d'huile donc voilà, je maximise. Enfin, moi je fais au maximum des coiffures protectrices et j'essaye de garder mes cheveux au maximum sales jusqu'au jour du bain d'huile pour pas les abîmer parce que moi si je les lave trop, ça les abîme donc c'est pour ça que j'essaye de faire des petites coiffures, j'ai trouvé des tactiques donc là j'ai bien plaqué. J'ai tout trop plaqué comme ça. Voilà. C'est tout bon. Donc on a acheté des petites blouses pour la peinture, une patte patrouille et une Batman. Elles sont trop belles. Comme ça, ils vont pas se tacher les vêtements avec la peinture. Là, je vais habiller Isaac. J'ai juste préparé le sac à manger, donc normalement il y a tout, les couches, des produits pour nettoyer, bref, tout. Non mais trop bien ce que j'ai retrouvé, c'était quand j'étais enceinte, j'étais à fond dans les citrons, je les ai même pas ouverts, regardez, ils sont tous emballés encore. J'avais acheté des assiettes pour les pique-niques, on n'avait pas eu l'occasion de faire des pique-niques parce qu'après on était parti du coup en vacances et j'avais accouché. Les petits gobelets citrons, trop bien, même les petits papiers. Et ça, vraiment, ça va être trop pratique, la nappe comme ça pour s'asseoir sur l'herbe. Vous voyez la matière, elle est matière, bah, une vraie matière de nappe, pas du tout en tissu, tu vois. Genre, en fait, l'herbe, si elle est mouillée, bah du coup, ça va pas nous mouiller les fesses. Et elle est très, très grande, elle est trop belle. Donc déjà, on a ça. Donc là, on va aller acheter plus le pique-nique, les toiles, la peinture. Isaac, je vais lui mettre cette petite combinaison, elle est trop kiki. Il va être trop beau dedans. L'ascenseur n'est toujours pas réparé. On avait mis un mot pour dire qu'il allait venir aujourd'hui. Mais bon. Go faire nos petits achats. Allez, c'est parti. Go acheter tout ce qui est peinture. Alors, on va prendre des toiles. Et les petites comme ça, mais bon, c'est trop petit. Vraiment pour qu'ils s'amusent. Bon, ça, c'est un petit peu grand, voilà. Les tailles moyennes comme ça. Ça, c'est très bien. On va prendre des petits chevalets. C'est tellement longtemps que j'ai pas été chez Action. C'est tellement bien ici. Je trouve tout. On a trouvé les petits pinceaux pour la peinture. On a trouvé des petits rouleaux. Ça, ça va être trop, trop bien. Les petites éponges. Oui, les petits bidons de peinture, donc on va prendre du vert, du bleu, du jaune, du rouge. Là, il y a du noir. On va prendre des petites palettes pour mettre la peinture. La peinture, vrai. C'est bon, on a tout trouvé pour l'atelier peinture. Go magasin, acheter tout pour le pique-nique. Comment je m'appelle les enfants? Yous. Yous.
Allez, c'est parti les filles, bon, vous achetez les petits trucs pour la box du Mans. Trop bien, déjà j'ai trouvé ma poudre Huda Beauty que j'utilise tous les jours, la banana bride, j'ai trouvé en miniature, comme ça je peux vous en prendre 3, comme je fais 3 box aujourd'hui, donc ça c'est cool. Les combos, j'en ai pris 3 aussi. Là je vais vous prendre les brumes sol de Janeiro avec le gel douche et la crème pour le corps. Par contre les filles, je suis bête, les poudres je vais les reposer, je vais les changer avec quelque chose d'autre parce que ça en fait c'est selon la teinte de la personne, donc en fait c'est pas possible. Si la personne a la peau très foncée, ça va pas être sa teinte, donc les poudres je les enlève, je vais les remplacer par quelque chose d'autre. Normalement la Cherry Blossom, la rose, elle va à toutes les teintes. Je sais que les peaux foncées et les peaux claires ils peuvent mettre la rose, dites-moi, confirmez-moi les filles s'il vous plaît. Ouais, alors les filles, j'ai pris une teinte peach pie pour les peaux foncées, une teinte banana bride et une cherry blossom qui va aussi pour les peaux foncées. Donc c'est la vendeuse Sephora qui m'a dit que voilà, c'était mieux de faire ça. Du coup les filles, c'est tout bon, j'ai tout acheté. Là je rejoins Jamal parce que lui il est parti après marche chercher des petits trucs. Et go au parc faire notre petite pique-nique et l'activité peinture. Bon, nous on est arrivé dans notre petit parc secret qu'on vient souvent. Il y a un petit lac, ça va être trop bien. On va se poser, là, on va avancer. Où ça? Waouh. Allez, venez en enfance les enfants. On est arrivé dans notre petit coin, là il y a une petite table pour pique-niquer, l'arbre pour protéger du soleil. Un grand espace et là il y a le lac avec des cygnes, des canards, il y a même des pêcheurs là-bas. On aime trop cet endroit. J'ai pris plein de bonnes choses pour faire des sandwichs, donc du saumon, du saucisson, du bœuf séché, du thon à l'huile d'olive, des petits kiris, des paquets de chips. On a pris aussi des bonnes bananes. Voilà, on a pris plein de petites choses. Des chips. Ah oui. On a bien mangé, go préparer le petit atelier peinture. Je prépare le petit atelier peinture. Je vais mettre, attendez, je remets ma chose déjà parce que je l'ai à moitié enlevée. Je vais mettre tout dans les petites palettes et je vais mettre tous les pinceaux. J'ai repris des pinceaux aussi comme ça. Hop. Et voilà, donc l'atelier peinture est prêt. Malheureusement, on n'a pas les chevalets, ils n'en vendaient plus. On a mis toutes les couleurs de peinture sur la palette avec les petits pinceaux. Avec voilà. Les petits pinceaux. Et la vue sur le lac. Donc je vous laisse imaginer ce que vous voulez, faire parler votre créativité. Je vais prendre celui-là.
Regardez, il y a qui va nous rejoindre. Salah Yanes. Allez, venez, faites le tour. Faites le tour. C'est ça, ouais. Il y a plein de poissons. Ils vont de l'autre côté ? Oui, ils vont venir. Ils arrivent, les cousins. Ça va, mon chéri ? Ouais. Et là-bas, il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui arrivent. À la fin. Toi aussi, tu vas faire un atelier peinture ? Je lui ai pris une palette aussi. Et je lui ai pris une toile aussi. J'ai mis trop de peinture. Ça, c'est Jamel et ça, c'est toi. Waouh! Ma belle-sœur, elle m'a ramené ça. Ça vient d'une boucherie turque. C'est du soujuk. À ce qui paraît, c'est super bon. Je vais goûter, je vais vous dire. Qui connaît? Alors, les filles, je me suis mis rapidement dans la voiture pour vous partager une offre My Caracare. Parce qu'aujourd'hui, j'ai moins 30%. Ça vaut grave le coup. Donc, ça, les filles, vous savez, c'est les légumes que je vous recommande tout le temps pour faire pousser vos cheveux et aussi stopper la chute des cheveux. Ils ont sorti les nouvelles, celle-ci c'est pour stopper la chute des cheveux. Moi, celle que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans, les filles, c'est ceux pour la pousse des cheveux. Dedans, c'est un cocktail de 11 vitamines. Dedans, il y a de la biotine. Et la biotine, vous savez, enfin, je vous laisse aller voir sur internet, c'est ça qui va vous aider vraiment à faire pousser vos cheveux. Il y a plein de vitamines à l'intérieur. Vous en prenez 2 par jour. C'est vraiment très très bon. C'est un super bon goût. Hop, ça se présente comme ça. Donc celle-là, les filles, c'est les nouvelles. Celle-là, c'est pour stopper la chute des cheveux. Elles sont aussi pas mal. Mais vraiment, celle que je vous conseille vraiment de prendre, c'est celle pour la pousse des cheveux. Je vais vous mettre le lien juste après. Vous en prenez 2 comme ça, les filles, vraiment. En fait, c'est un goût de bonbon. Mais c'est vraiment très, très bon. Parce que moi, des traitements pour la pousse des cheveux, j'en ai déjà pris des gummies et tout. Donc franchement, soit ça avait un mauvais goût, soit ça lâchait des odeurs dans le corps. Ça, pas du tout. Vraiment, ça fait pousser les cheveux. Moi, je vais vous mettre des résultats sur mes cheveux juste avant. Que je me marie juste avant que j'ai ma catastrophe capillaire. Je vais vous montrer, j'avais presque atteint mon objectif. Vraiment, c'est la meilleure gummie que je puis vous recommander. Vraiment, ça fait maintenant 2 ans que je vous saoule avec My Caracare, mais vraiment, c'est pas pour rien. C'est vraiment les meilleures gummies. Vraiment, c'est. Je disais, j'ai quand même de break pour de faire, pour de faire, quand même de break pour de faire, pour de faire, quand même de break pour de faire, pour de faire. Attention à toi, ton jeu. Il est en train de négocier. Il croit qu'il va venir avec nous à Marrakech les prochaines vacances. Ouais. Ça dépend si tu travailles bien à l'école. On verra après les vacances scolaires d'octobre. On va demander à ta maîtresse. Tu penses que tu vas bien travailler? Oui, je vais avoir que des A. Allez, on a hâte d'avoir ton bulletin avant les vacances d'octobre. Vas-y, okay. Allez, c'est parti les filles, on rentre, c'était trop bien. Alors les filles, ça y est, je suis rentrée à la maison, go vous faire les box du mois, je suis trop contente. Donc aujourd'hui les filles, il y a 3 box à gagner, tout simplement parce que je vous avais promis, comme je vous avais pas fait la box de juillet parce que je venais d'accoucher et qu'après je suis partie directement dans le sud, voilà, j'avais pas pensé à ça. Donc j'ai pas fait celle de juillet, j'ai pas fait celle d'août parce que j'étais au Maroc. Et du coup, pour me rattraper du retard, j'offre une 3ème box. Donc c'est parti les filles, je prépare toutes les box et je vous montre qu'une seule box parce que les 3 ça sera exactement les mêmes. Et let's go. Alors c'est parti les filles, on va commencer la box par cette magnifique djellaba, juste magnifique cette robe que moi j'ai la même avec les manches comme ça irisées, elle est trop belle. Donc j'ai pris 3 couleurs, derrière vous avez le signe comme ça berbère, vraiment elle est magnifique, elle est bien longue. Donc voilà, en bleu roi, donc on va commencer par ça. On commence par les produits du Maroc, donc la petite djellaba. Je vous ai pris une bouteille d'eau de rose pure. Je vous ai pris du savon noir, bien évidemment, pour faire vos petits hammams à la maison. J'ai pris les fameux tajines qui font blush et rouge à lèvres, juste avec un petit peu d'eau.
bien évidemment le rouge à lèvres magique. Je vous ai pris de l'huile d'argan bio, donc visage, corps et cheveux. Elle a été faite par une coopérative marocaine. Les petits foulards comme ça qui sont trop confortables quand vous faites vos bains d'huile. Oui, Isaac. La fameuse brosse que tout le monde connaît. Du coup, chez Sephora, je vous ai pris le combo lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, donc avec le crayon et le rouge à lèvres. Chez Sol de Janeiro, je vous ai pris le gel douche, la crème pour le corps et la brume, donc le pack rose. Et je vous ai pris donc la poudre de chez Huda Beauty, donc la poudre classique. Donc vous l'avez en plusieurs teintes, donc ça dépendra des gagnantes. Donc la petite poudre avec bien évidemment la petite houppette en rose Barbie. Et un petit chouchou. Ça y est, les filles, tout le monde dort. Moi, j'ai enlevé mes tresses, je vais me faire un petit chignon. Demain, ça va être glow-up. Alors, le matin, je vais faire mon bain d'huile. Ensuite, je vais aller au coiffeur, je vais faire un bon brushing. Parce que cette semaine, bon, déjà, j'espère au glow-up, parce que voilà, je m'étais un petit peu laissée aller. Alors, je vous explique. Mardi, c'est notre anniversaire de mariage à moi et Javal. On va pas faire quelque chose d'extraordinaire, mais on a envie de faire un petit truc quand même. Donc, mardi, anniversaire de mariage, nous un an déjà, ça passe trop vite, franchement c'est un truc de fou. Mercredi, j'ai le tournage dont je vous ai parlé et j'espère qu'après je pourrai vous dire ce que c'est et je sais que ça va vous plaire en tous les cas. Et jeudi soir ou vendredi matin, go le sud de la France pour le week-end, uniquement pour le week-end, là je pars que deux jours parce qu'il y a la rotoba de ma petite soeur. Et après, quand je reviens, c'est mon anniversaire. Donc, il y a fait beaucoup de choses à faire, à fêter.